Les élèves se pressent dans le cours d'art appliqué au lycée des métiers Hélène Duc à Bergerac. Avant de partir en atelier, c'est le moment de revoir les plans du chef-d'œuvre que préparent les terminales en bac pro technicien en chaudronnerie industrielle. Le but, c'est de faire une sculpture qui va être exposée à Hohenneuendorf, au Skulpturen Boulevard, et pour rappeler le jumelage et les valeurs du jumelage. Les élèves travaillent sur ce projet autant ambitieux qu'exaltant depuis la rentrée 2020. On a discuté avec la pression du jumelage de Bergerac et ils ont intéressé qu'on puisse leur proposer une œuvre qui représente symboliquement l'amitié des deux pays. Les élèves ont été très stimulés par plein de questionnements, la citoyenneté européenne, et comment relier les deux villes, donc c'est comme ça qu'y vient aussi l'histoire des ponts. Après un travail de réflexion, les élèves proposent leur première maquette au comité. L'œuvre qui a été choisie pour le jumelage, c'est un pont avec deux mains qui s'allient devant, avec deux feuilles, une feuille de chêne, une feuille de vigne, où sur chacune il y a le blason de Bergerac et le blason de Hohenneuendorf. Ces rencontres, c'était très riche, c'était vraiment le point de départ qui nous a lancé dans cette aventure. Je trouve que c'est très important pour cette année de parler de partage, de parler d'égalité, que n'importe quel pays peut s'allier pour un projet. Je trouve ça très intéressant. Une première étape de la réalisation de leur chef-d'œuvre se termine. Prochain rendez-vous dans l'atelier pour la fabrication des pièces.